Je voulais remercier tout le monde, tous les formateurs qui s'étaient connectés aujourd'hui pour le webinaire autour de l'innovation pédagogique, de l'hybridation. Enfin voilà, on va discuter de toutes ces questions en lien avec la pédagogie, l'organisation des formations dans l'enseignement supérieur. Donc, je remercie aussi Jean-Marie d'être présent aujourd'hui avec nous pour échanger justement sur toutes ces dimensions. Qui nous montre aussi peut-être des expérimentations, des innovations qui ont eu lieu et dont il a connaissance pour illustrer les différentes à dire hybridations de crise que l'on a pu voir depuis déjà quasiment un an. Donc ça va nous permettre de faire un scope assez intéressant et puis pouvoir échanger aussi nous par rapport à des choses que Jean-Marie pourrait amener et nous ce que l'on comment on pourrait les intégrer, les transformer au sein de l'ISPEC, pour pouvoir essayer encore, même si on a fait beaucoup d'efforts et tout le monde a été vraiment très très impliqué, je pense qu'on a encore d'autres choses ou d'autres idées à amener, à apporter pour transformer encore plus notre enseignement et réfléchir encore plus sur cette transformation pédagogique qui, je pense, pour certains côtés, restera forcément même après la crise. On a tellement vécu de choses transformantes que ça me semble naturel que d'autres choses s'imprègnent encore plus dans le dispositif après. Donc, je vais laisser Jean-Marie se présenter. Ok, Et après, je merci. vais prendre la parole. Donc, j'ai mis un pad, juste avant que je te laisse te commenter, il y a un pad collaboratif que j'ai mis dans le chat. Donc, pour ceux qui aiment bien, je vois Bénédicte aussi qui aime bien prendre des notes, bah, de pouvoir mettre sur le pad collaboratif et on partagera ensuite les notes, la prise de notes collective. Voilà, donc, je te laisse te présenter, Jean-Marie, et puis après, tu pourras lancer. Ta présentation. Ok, c'est toi qui as de l'écho et du monde derrière ou c'est quelqu'un d'autre qui a laissé son micro ouvert? Désolé de commencer par, par un mauvais rappel à l'ordre, mais j'entendais quelque chose dans le fond, mais c'est peut-être chez toi. Ou c'est coupé, c'est bien. Non, pour pas. Moi, j'avoue que j'ai du mal à réfléchir avec des choses qui arrivent dans les oreilles, mais on est tous un peu pareil, je pense. Ok, bon, ben donc bonjour, je m'appelle Jean-Marie Gilliot. Je suis enseignant-chercheur à IMT Atlantique, une école d'ingénieurs sur Brest. Enfin, je suis sur Brest, l'école d'ingénieurs est sur trois sites, Rennes, Nantes et Brest. Je suis enseignant en informatique, je suis chercheur dans le domaine de ce qu'on appelle les EIH, environnement informatique pour l'apprentissage humain, et on va dire un acteur de tout ce qui est innovation pédagogique, à la fois comme acteur sous différents contextes. On en parlera peut-être un peu plus tard. J'ai aussi lancé il y a 6 mois maintenant, pas 12, une initiative qu'on appelle un groupe de travail autour de l'hybridation des formations en coopération ouverte, dans lequel Yann est un acteur est très actif, on va dire ça comme ça, et donc il apporte beaucoup de choses, et dans lequel on a collecté effectivement plein d'expérimentations, on a collecté plein de retours d'expérience, de retours de vécu, et puis depuis quelques mois, on fait toute une série de webinaires, puisqu'on en est au 9e recensé. On ne les a pas tous faits, mais on les a recensés parce que soit c'était nous qui les organisions, soit c'était des gens qui nous ont gentiment partagé les liens en nous disant ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à relayer. Donc voilà, on a un petit peu d'expérience autour de ces choses-là. Je ne sais pas trop si tu es vraiment dans les exemples, mais on peut partir dans des exemples. Quand j'y pense, quand ça vous fait réagir. Enfin, n'hésitez pas non plus à réagir pendant l'échange. J'ai un diaporama un peu générique, mais qui doit vous permettre de reprendre la balle au bon si vous le souhaitez. Et puis, pour reprendre ce que disait Yann, je pense que quelque part, on va sûrement pas revenir aux mêmes choses parce que la pandémie, ça nous a fait vivre plein de choses, ça nous a développé nos expériences à nous. Celle de nos étudiants aussi, même si elle n'est pas très heureuse, suivant ce qu'on voit comme hashtag en ce moment, hein, étudiants fantômes, ça interpelle quand même. Et donc on va parler un peu de. On va sûrement continuer à évoluer.
Alors, comme agenda là pour les quelques minutes où je vais discuter, j'espère pas trop tout seul, je vais vous parler du contexte de la pandémie. J'ai deux, trois transparents là-dessus. Et puis, je vais vous parler ensuite de cette question de qu'est-ce que c'est qu'innover. Et puis, Yann m'avait posé la question en disant, mais l'innovation, est-ce que c'est lié au numérique ou pas? Alors, innovation sans numérique, avec ou sans numérique, on va regarder un petit peu ça, on va en discuter et j'espère que ça vous fera réagir. J'ai quelques slides, je pense qu'on passera un petit peu vite sur qu'est-ce que c'est que réussir une innovation dans une institution et puis en coopération parce que c'est un peu ce que nous on essaie de promouvoir dans le cadre de ce groupe hybridation ouverte là, c'est cette question de coopération. Et puis on finira sur quelques enjeux actuels où on voit qu'il se passe pas mal de choses. Et puis j'espère qu'on pourra rebondir sur vos enjeux, vos retours, vos expériences, etc. Donc voilà pour le programme de ce matin. Donc on va commencer de ce matin, déjà 13h40, de cet après-midi. Donc on va commencer avec la pandémie. Alors, c'est des transplants que j'avais fait pour le mois de décembre. On m'avait invité dans une conférence à la CIF, et puis j'avais regroupé quelques idées. Donc le premier point, bah, c'est qu'on a vu passer beaucoup d'études, beaucoup de retours au bout d'un certain temps de confinement. Il y a tous les enseignants-chercheurs, les sociologues et autres qui voulaient faire des questionnaires, donc on en avait beaucoup, c'est bien. Dans un contexte qui était déjà compliqué pour l'enseignement supérieur, qui ne s'est pas facilité depuis, puisque on a continué à travailler sur l'évolution de l'enseignement supérieur. Et puis si on regarde le confinement au mois de mars, qu'est-ce qui se passe? Ben, on se retrouve tous confinés en quelques jours. Et première étape, il faut se débrouiller. Et puis là, on s'aperçoit que nos étudiants ont plein d'idées, on leur pose plein de questions. Comment on pourrait. Quel est l'outil que vous utiliseriez si on voulait continuer à communiquer, etc. Donc, on avait apparaître des profs sur Discord. Du coup, nous, on continue à l'utiliser parce qu'on trouve ça super. Et puis, petit à petit, ben, toutes les cellules pédagogiques, toutes les structures ont évolué en disant, ah bah tiens, on va utiliser Zoom, on va utiliser ceci, on va échanger. Donc il y a eu plein de choses qui se sont passées. Et puis tout le monde est re-rentré dans une espèce de routine, mais la routine n'était pas la même qu'avant, puisqu'on avait appris à faire un cours un tout petit peu autrement. Et puis pendant tout ce temps-là, il y a eu des questions qui se sont levées, des questions qui ont trouvé des réponses. Et puis il y avait cette question de l'après qu'on a un peu perdue, qui était mais comment on veut continuer après? Alors on est encore dedans, mais cette question de l'après, on voit qu'elle est difficile à aborder. Et puis on a voulu préparer la rentrée, pardon. Et ça, cette question de préparer la rentrée, moi, ça m'a un peu frappé de voir que en gros, tout le monde est parti en vacances en disant on verra bien la rentrée. Et on a vu qu'à la rentrée, ça a été très compliqué pour plein plein d'institutions. Je ne sais pas comment c'était à l'IFPEC, mais nous, à IMT Atlantique, ça allait à peu près. Mais y en a, j'ai vraiment, on a croisé dans le cadre de ce groupe des gens qui arrivaient en disant à la rentrée, ah bah tiens, en fait, on est en train de réaliser qu'il va falloir faire de l'hybridation dans nos formations. Et on se demande un peu comment faire. Quand vous vous appelez l'université de BIP. Ça fait un peu désordre. Voilà. Mais bon, ils y sont allés. Et puis, comme tout le monde, ils ont été rattrapés. Donc, ce qui est important en termes d'innovation, c'est que ce qui s'est passé, c'est un fait rare. C'est qu'en général, quand vous voulez faire l'innovation, vous êtes quelques-uns dans un coin à dire, on a envie de penser à quelque chose de nouveau. On va essayer de le mettre en place. Et puis on va le mettre en place avec nos étudiants, et puis éventuellement ça marchera ou ça marchera pas. Mais c'est un choix, c'est une volonté, il y a une motivation, il y a une raison d'être de cette innovation, et puis on y va. Et puis là, c'est quelque chose qui a été enfin imposé par la situation et qui a pris de court à peu près tout le monde, sauf ceux qui avaient déjà regardé pas mal de choses et qui ont dit, ah bah oui, évidemment, ça va se faire comme ci, comme ça. Donc les gens qui regardaient n'ont pas été étonnés, mais pour la majorité des enseignants, ça a été le gros boom, ce qu'on a appelé ça, l'enseignement à distance en situation d'urgence. Et waouh, ça c'est pas toujours, ça n'a pas toujours été facile. Et donc ça n'a pas vraiment été une approche d'innovation, enfin c'est une approche de changement en tout cas et qui s'est imposée à tous. Je vais essayer de pas trop traîner non plus. Alors derrière ça, on a beaucoup parlé d'outils au départ, des outils numériques. Donc on a tous passé par différentes choses.
ce qu'on a vu aussi apparaître, au moins côté ingénieur, hein, ça c'est un document que j'ai récupéré côté formation d'ingénieur, c'est que ben, y a des cours qu'on ne pouvait plus assurer, donc on faisait autre chose. On faisait des simulations, des études de cas quand c'était possible, au lieu de faire du présentiel. Et puis on a pas mal utilisé les MOOC, notamment chez nous. On a dit, ben, les enseignements qu'on ne peut pas faire, venez suivre un MOOC et puis ça remplacera. Alors, ce qui fait que pour une fois, le MOOC avait un taux de réussite plus important que d'habitude. On a même vu des collègues de Belgique nous prendre contact avec nous en disant comment ça se fait que tout le monde soit arrivé chez nous. Mais bon, donc ça s'est plutôt bien passé. Parce que nos élèves sont déjà bien formés, autonomes, enfin, dans une certaine mesure. Ces outils-là, ça ne s'est pas fait forcément facilement, ça a été compliqué pour tout le monde, pour les institutions, pour les étudiants, pour les profs, et puis voilà, ça n'a pas été facile, c'est pas resté facile, et ça continue à être compliqué dans certains, sur pas mal d'établissements. Et donc, on a oscillé entre des gens qui détournaient des outils existants ou des gens qui avaient une démarche d'ingénierie pédagogique en disant ben voilà l'outil qui est préconisé, voilà l'outil qu'il faut faire, voilà le mode d'emploi pour démarrer, etc. On a eu beaucoup, beaucoup de questions d'outils, mais pour moi, c'est pas le. Enfin, ça a été la question centrale pour démarrer, mais un outil n'est jamais qu'un moyen de répondre à un objectif. Voilà. J'ai aussi là juste un transparent que j'avais posé en passant parce que le débat sur l'évaluation qui m'a paru assez intéressant parce qu'en gros, mois de juin, comment on évalue nos étudiants, sachant que les cours ne se sont pas bien passés, qu'ils n'ont pas accès aux bibliothèques, qu'ils n'ont pas fait de pratique, qu'il y a eu un certain nombre de choses qui sont pas comme d'hab. Et puis où il y avait cette question, en fait, comment on fait pour évaluer quand on est à distance? Et en fait, il y a eu deux types de réponses. Et qui sont assez symptomatiques de ce que peut être le numérique. Il y a les gens qui disent bah, c'est très simple, on va les obliger à allumer la caméra, on va contrôler le PC, on va vérifier qu'ils ne regardent pas à côté, on va vérifier leur carte d'identité. Donc le contrôle en forcé, ça, c'est des choses qui étaient déjà en place dans certains contextes qu'on a voulu généraliser. Puis on s'est aperçu que ça ne marchait pas bien, puis que quelque part, considérer qu'un étudiant est un tricheur par défaut, c'est quand même pas sympa pour lui dire qu'il doit être autonome et qu'il doit avancer tout seul. Et puis, il y a cette question de, bah, par contre, est-ce qu'on se repose la question de l'évaluation pour avoir une évaluation qui soit authentique et qui soit alignée avec nos objectifs pédagogiques. Donc ça, c'est plutôt les gens qui sont plus sensibles à la pédagogie ont porté ce débat-là, bah, sachant que voilà, il y a un équilibre à trouver entre tout ça et que là, on a vraiment l'objet numérique au sens pharmacon, du bien ou du mal, qu'on retrouve dans pas mal de contextes. Voilà, donc je ne prends pas parti là-dessus. Quoique. Donc, oui. Une question de Manfred. Vous pouvez peut-être prendre la parole, Manfred. Je n'ai pas vu. Ouais, vas-y. Il y a une petite main qui s'est levée. Ah, je vois Romain aussi. Ok, envoyé Romain, une guide. D'accord. Je suis désolé, c'est une fausse manip. Ah. Et Romain, oui, c'était Romain, tu disais. Non, Manfred, il y a eu Romain aussi. Il a trouvé Git. Ouais, Git, j'ai pas précisé, c'est un outil de gestion de version pour les informaticiens. C'est un truc de techos. Ça marche bien. Comme dit, j'avais fait le transparent pour un public d'informaticiens, donc c'est vrai que j'ai pas précisé. Bon, voilà. Alors, je rentre pas plus sur les innovations en tant que telles, mais pour dire que voilà, le contexte était un peu particulier et que ça a permis de se poser plein de bonnes questions. Il y a un truc dont j'ai trop peu parlé aussi, c'était que quelque part on s'est aperçu que les étudiants avaient des difficultés mais que les profs aussi avaient des difficultés, donc il y a eu une empathie pendant un bout de temps entre profs et étudiants qu'on a peut-être un peu perdu dans la routinisation et que les étudiants sont en train de nous rappeler assez brutalement en ce moment avec je pense pertinence. Donc l'innovation, il y a des définitions sympathiques, on peut prendre le Béchard et Pelletier 2001, page 133. Donc, en innovation, c'est une volonté d'introduire une activité délibérée pour introduire une nouveauté. Donc, je ne sais pas si on était dans l'activité délibérée quand on parlait de pandémie. Et donc, pédagogique, parce qu'on veut améliorer les apprentissages. Là, on était plutôt en train de ne pas vouloir trop les,
reculer là-dessus, en situation d'interaction, d'activité. Et bon, souvent, on dit, bah, si ce n'est pas du magistral, c'est de l'innovation, parce que le magistral, c'est la majorité. Je ne pense pas qu'à l'IFPEC, vous en soyez encore là. Nous, je pense qu'on a un peu dépassé ça, mais bah, ça reste encore très vrai, même 20 ans après. Les choses, on se dit, ça a bougé quand on le voit, quand on lit, et puis 20 ans après, ça n'a pas tant bougé que ça. Voilà, alors, je m'étais amusé une fois, je ne vais pas faire le schéma. En fait, quand on regarde les dispositifs d'innovation, en fait, on va chercher à innover sur certains axes. Et on va être, si on prend un triangle, le triangle pédagogique de Housset qui résume le lien entre savoir, apprenant, enseignant, cette question d'espace pédagogique, en fait, il relie ces trois pôles par des actions. Donc par une relation qui est à chaque fois spécifique. Et en fait, suivant les cas, sur des innovations pédagogiques, elles sont plus ou moins sur un de ces axes-là. Et c'est intéressant parce que ça repose après la question de dans quelle mesure ça modifie votre dispositif pédagogique, et dans quelle mesure ça crée de l'innovation ou pas. Donc là-dessus, je m'étais amusé un petit peu à essayer de poser différentes choses. Je ne sais pas si je peux partager ma souris là-dessus, je ne suis pas sûr qu'elle se voit. Mais on peut avoir des choses qui sont des changements de relation avec le savoir. Donc il peut y avoir par exemple des simulations, des espaces virtuels qui sont des modes d'innovation qui sont portés par certains. Alors là aussi, je suis désolé, j'ai des transparents qui sont faits pour un domaine plus scientifique, enfin, la santé est aussi scientifique que les autres, mais plus science, celle qu'on appelle dure, malheureusement. Science de la nature. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Science de la nature. Science de la nature. Ouais, mais bon, même ça, c'est pas c'est pas bon. Donc voilà, et puis après, bah, il y a des choses qui permettent de créer des interactions. Donc là, j'ai un vieux machin en bas à gauche sur les votes par les étudiants dans le cadre d'un amphi. Donc ça permet effectivement de créer de l'interactivité entre l'enseignant et l'apprenant. Donc changer la relation pédagogique. On a vu qu'on pouvait faire des activités en amphi en proposant des amphis interactifs, en posant des questions aux étudiants, en leur permettant de travailler en petits groupes, puis de donner des réponses, et puis de retravailler sur les réponses pour voir un petit peu valider que les gens ont compris des choses. Donc on peut s'amuser à faire des choses. Là-dessus, on avait un mardi dans un webinaire sur les TP hybrides. On avait Ulysse Delabre qui nous disait, mais avec les smartphones, en fait, j'arrive à faire des TP en amphi. Donc en fait, il fait, je ne sais plus, des mesures de chute. Donc les gens font tomber leur téléphone et ils peuvent mesurer la chute, la valeur de G avec leur téléphone, et ils peuvent tous partager du coup la valeur de G qu'ils ont mesurée. Et on peut construire une valeur de G collectivement, celle qui est dans l'amphi à cet instant T, pour autant que G soit variable, ce qu'il est effectivement. Donc voilà, on peut imaginer des activités qui remettent en question cette relation entre l'enseignant et l'apprenant. Et puis on peut gérer plus ou moins l'autonomie de l'apprenant par rapport au savoir, comment, en le rendant actif, en le faisant manipuler, là j'ai une photo de Fab Lab en bas à droite, et ou en gérant aussi le volume des savoirs que vous leur choisissez de partager. Donc il y a différents volets sur lesquels vous pouvez assister. Là-dedans, il y a des choses qui ne sont pas du tout numériques. Il y a des choses qui sont rendues plus faciles par le numérique. Typiquement, le vote à main levée, ça marche bien, mais avec des outils comme WooClap, ça marche mieux. Le Fab Lab, on construit des petits objets et tout, on fait des manips, hein, ça n'a pas besoin de... On pourrait dire qu'il n'y a pas besoin de numérique pour faire des montages en Lego. Malgré tout, ben, ça fait qu'on a des nouveaux équipements qu'on peut utiliser, on peut mettre de l'électronique, et puis c'est fait dans une logique de partage avec des sites web derrière, avec des choses qui font qu'effectivement c'est plus collaboratif. Voilà, par contre, l'environnement simulé, c'est du pur numérique. Donc on a plus ou moins de numérique, et on a le numérique comme un facilitateur, un amplificateur de pratiques existantes qui peuvent changer les différentes relations entre savoir, apprenant et enseignant.
Voilà pour celui-là. Je vois que faut que j'avance. Donc, pédagogie numérique, complémentarité, c'est ce que je voulais dire. C'est qu'en fait, le numérique permet éventuellement de renforcer des actions pédagogiques et donc de renforcer des choses qui existent déjà. Et puis inversement, le numérique par rapport à des actions pédagogiques qu'on peut faire peut être inutile ou peut être un outil à la compréhension. Compréhension parce qu'on va pouvoir faire des mesures. Compréhension parce que pour nous, informaticiens, on va faire des modèles qui vont nous permettre de valider qu'on est bien capable de comprendre le comportement de ce qui se passe pédagogiquement. Donc on a cet aller-retour, mais il est fécond, mais il n'est pas indispensable. On va voir un truc là-dessus. Et donc ce pédagogique et ce numérique, il est clairement, le numérique est un outil pour l'action, un outil pour la compréhension, mais il est au service de motivation, d'objectifs. Là, j'en ai mis quelques-uns qui sont variés, qui sont vraiment sur des focus différents. Je ne sais pas si vous voulez comprendre là-dessus, mais je vous propose de l'avoir lu et de dire que je passe au suivant si ça vous convient. Voilà. Sur le numérique, ce qui est intéressant aussi, puisqu'on y est, c'est qu'il y a des modèles qui disent qu'en fait, quand on se passe au numérique, premier coup, il ne se passe rien. J'utilise une technologie, un tableau blanc. Si je dessine dessus comme avant, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, ce tableau blanc, si j'apprends à l'utiliser, si je le rends partagé avec les étudiants, si je fais une copie de cet écran-là et que je le rends disponible sur mon espace de cours, je vais augmenter un petit peu ma pratique. Et donc, par itération, on va petit à petit s'améliorer. Et puis, il peut y avoir des choses qui sont du type modification, donc des choses que, quand on a pris ça en main, le fait de faire des exercices au tableau blanc avec une personne, on va peut-être pouvoir se dire, en fait, tout le monde peut accéder au tableau blanc, et puis on peut avoir une pratique partagée, on peut faire un exercice à plusieurs, on peut le faire dans une classe inversée, et donc on va pouvoir avoir une modification de nos pratiques, et puis qui est donc une transformation plus importante, et puis il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, et dans certains cas, le numérique permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Moi, l'exemple que j'aime bien, même s'il n'est pas encore très diffusé, c'est qu'aujourd'hui, avec un téléphone, vous pouvez noter vos expériences d'apprentissage quand vous voulez, de manière informelle ou de manière formelle. Donc, il y a des applis qui existent un petit peu, qu'on ne voit pas beaucoup encore, qui sont, quand vous êtes à l'étranger, tiens, ça a été une expérience qui a été marquante pour moi, pour telle raison, et le gars, il la note. Donc, en fait, il se fait son cahier, son portfolio directement, juste après la situation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Alors, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas mieux, etc. On pourra en discuter. Mais en tout cas, ça ouvre des opportunités. Le smartphone est vraiment typiquement un vecteur de redéfinition parce qu'on peut faire des choses n'importe où, n'importe quand, en contact avec beaucoup de gens. Voilà, donc on a un modèle qui s'appelle le modèle SMR, mais qui montre que c'est pas parce qu'on passe au numérique qu'on change quelque chose. Et à la limite, on pourrait faire des choses, on voit qu'on fait des choses avec finalement assez peu de numérique, typiquement la classe inversée. Est-ce que c'est une innovation numérique ou pas numérique? Oui, clairement c'est numérique, parce que l'enregistrement des vidéos, c'est 2005. Avant, c'est compliqué de faire une vidéo. 2005, 2010, on commence à diffuser des vidéos, on prend l'habitude d'utiliser des vidéos, on commence à avoir des vidéos partout. 2012, on a les MOOC avec des vidéos, on sait qu'il faut faire les vidéos en 10 minutes, pour passer un concept max. Et donc on a un format vidéo qui marche pour l'enseignement et du coup on peut transférer des savoirs sous forme de vidéos ou d'autres choses, hein, de documents multimédia ou de documents textuels, que du coup les étudiants peuvent travailler en dehors et qu'on peut travailler, d'autres activités quand on est en présence. Et à partir du moment où on a fait ça, donc c'est le niveau 1, ça, on peut envisager des niveaux qui sont plus transformants encore, où on se dit en fait, dans une démarche coopérative avec nos étudiants, on pourrait imaginer que nos étudiants contribuent à la construction des cours, donc soit en rajoutant des savoirs, soit en construisant, carrément en travaillant sur la construction du cours. Et dans le cas des classes renversées, il y en a des gens qui vont jusqu'à la redéfinition, ce sont même les étudiants qui font les évaluations. Ça peut marcher, il y a des retours là-dessus qui sont super positifs. Parce que là, vous travaillez sur des niveaux taxonomiques qui sont complètement différents. Voilà. Ça, c'était pour tout ce qui était conférence digitale numérique, la littératie numérique.
qui quelque part est transverse et qui là par contre est numérique, mais quasiment sans pédagogie derrière, enfin avec une pédagogie qui n'est pas liée à la discipline. Et puis, je ne vais pas rentrer dans celui-là, mais j'aime bien, il y a un rapport qui est produit chaque année par Future Learn et Open University, où ils essaient de trouver les tendances de l'année. Ils font ça depuis pas mal d'années maintenant, je crois, 2012, 2013. La première année, ils avaient dit les MOOC, ce n'est pas important. La deuxième année, ils ont dit, oups, on s'est trompé. Donc ça, c'est agréable de voir des chercheurs qui vous disent, on s'est trompé. Et quand on regarde les titres qu'ils retiennent, il y a des choses qui sont très, très numériques. Using chatbots in learning, ça, c'est clairement numérique. Mais quand on voit la gratitude en tant que pédagogie, là, on se dit qu'on est clairement en dehors du numérique. Et donc, il y a des choses qui sont à la fois numériques et pas numériques. Mais quand on parle typiquement de gratitude, on est sur un changement de posture par rapport à l'enseignant. Et ce changement de posture, donc de bienveillance, de confiance, etc., on va voir tout à l'heure, si j'ai le temps, de dire que quelque part, bah, c'est lié à des démarches de coopération. Quand vous êtes dans une démarche de coopération, vous êtes dans une démarche plus d'écoute et de bienveillance avec les personnes avec qui vous avez travaillé. Si vous êtes là-dessus, on peut faire de la coopération sans numérique. Il se trouve que ce changement de paradigme social, il a été renforcé par le numérique. Mais il n'est pas pur numérique. Bon, voilà. Je vous renvoie dessus. Il est sorti il y a 15 jours. J'avoue que je ne l'ai pas encore lu, mais par contre, j'ai lu tous les précédents. voilà. Alors, pour l'innovation réussite, je peux faire ça très vite. Alors, je vais faire sur... parce que je pense qu'il ne faut pas que je traîne trop. Pardon ? On a une question par rapport justement à la classe inversée. Qui est une question on va de... la mettre forcément numérique parce que ce que je disais c'est quelque part quand on fait des vidéos c'est du numérique, quand on diffuse via des mails des supports papier à des supports sous forme de PDF, on est dans le numérique, c'est du numérique qu'on a complètement intériorisé, qui est du numérique du numérique de base, mais c'est du numérique, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on n'aurait pas fait de la même manière s'il avait fallu passer des papiers avant. Et c'est vraiment venu de cette chose-là. Donc, c'était pas infaisable avant, mais c'est plus facile avec. Et c'est ce plus facile avec. On fait la différence entre le plus facile avec et on n'aurait pas pu faire sans. Typiquement, la classe inversée, c'est du plus facile avec. Pardon. OK, ça vous va? Bien. ah oui, il y a des pouces, je n'ai pas l'habitude des pouces, je n'ai pas ça dans mon environnement d'habitude. Bon, l'innovation, pour que ce soit réussi, il y a deux approches par rapport à ça, on va les passer très vite. Il y a la première approche qui est une approche, je dirais, institutionnelle ou académique, qui est une question autour de l'innovation, c'est qu'elle soit, quand vous faites quelque chose, d'abord que ça marche avec vos étudiants, ça c'est sympa, et après se pose la question de la pérennisation et éventuellement de la dissémination. D'accord. Et puis, en fait, là aussi, je vais faire du numérique. Quand on est dans une démarche de coopération, qui est possible évidemment en présentiel, qui va se faire en présentiel aussi, mais qui s'est développée grâce aux réseaux sociaux, ben, on va avoir cette notion de communauté et on va avoir cette notion de coopération qui est, ben, ce que je disais, faire avec, être en attention, donner à voir, donc dans l'attention avec les autres. Et puis de mettre des choses en commun. Donc, cette participation à la communauté, en fait, c'est une autre manière de pérenniser, de rendre réussie une innovation. Et c'est aussi une autre manière d'échanger avec d'autres gens qui font. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau à la fois et qui marche bien dans ces communautés qui se mettent en place et qui se développent un peu partout. Donc, cette notion de communauté, évidemment, il y a des communautés sans numérique, mais on en a beaucoup plus avec le numérique. Ça, je ne sais plus pourquoi j'ai gardé ça, donc je vais passer. Mais bon, cette question. Ah oui, si, le paradoxe de la pérennisation. En fait, ça, c'est la roue de Deming, comme d'habitude. L'idée, c'est que à la fois vous voulez pérenniser et à la fois vous êtes toujours en itération pour améliorer votre innovation. Et donc, il y a une difficulté entre passer des bonnes recettes à tout le monde et avoir une recette qui continue à bien fonctionner dans votre contexte. Donc, en fait, vous avez un contexte dans lequel vous êtes dans une amélioration. Vous avez a priori des concepts que vous allez pouvoir partager et qui seront respécialisés dans chacun des contextes pour que ça marche bien. Parce que ça ne marche pas bien en soi, ça marche bien parce qu'il y a un enseignant
une classe, une relation qui se met en place et des choses qui se font dans un contexte à la fois disciplinaire, institutionnel, et, etc., etc. Voilà, quand vous faites une innovation, en fait, il y a la réponse aux besoins, il y a la question pédagogique. Et puis là, c'est mon côté chercheur. Je pense qu'aujourd'hui, il y a la communauté de recherche des chercheurs est complètement persuadée qu'une bonne recherche, une bonne innovation, ça se fait en relation. C'est-à-dire que vous êtes dans une démarche de recherche orientée conception, de recherche basée research, design-based research, où chacun va, on va avoir un partage qui est à la fois je fais des choses et j'éclaire ce quelque chose avec le savoir académique pour pouvoir renforcer d'un côté le savoir académique, mais aussi pour pouvoir renforcer la qualité et éclairer votre innovation. Donc cette idée de dimension recherche, si vous avez quelque part quelqu'un qui fait ça, j'en vois un sur mon écran là qui fait oui. N'hésitez pas à travailler avec, ça ne pourra qu'être mieux. Et la question de la collaboration peut se faire avec ces personnes-là, mais ne se réduit pas qu'à ces personnes-là, s'étend à toute la communauté éducative. La communauté éducative, c'est les enseignants, c'est les étudiants, c'est les chercheurs ou les conseillers pédagogiques, mais aussi les gens qui font que votre bâtiment il est propre, il y a de la lumière et qu'il y a une connexion réseau qui marche. Voilà, donc la diffusion, ça c'est le classique classique, hein. On revient chez Béchard et Pelletier, donc 4 niveaux, la classe, la département, l'institution, le milieu, je vais pas détailler ça parce que j'ai pas le temps, et puis il y a ce côté web et ce côté communauté. Alors la dissémination, la classe, le département, donc il y a des conditions, des acteurs qui sont différents à chaque fois, et puis des stratégies de diffusion qui sont importantes. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, on passe de je suis chez moi à quelque chose qui est travailler sur un milieu, et sachant que le numérique permet de bypasser un certain nombre de niveaux et de faciliter ces mises en relation à différents niveaux. Voilà, donc ça c'est pareil. Et puis donc l'idée de rentrer dans l'échange. Donc dans l'entrée dans l'échange, là du coup j'en profite pour mettre deux côtés. Sur la gauche, vous avez des conférences classiques dites de pédagogie où on a des retours d'expérience. Donc il y a la IPU qui est un classique et il y a la question de pédagogie dans l'enseignement supérieur qui est un autre classique, qui a aussi la qualité d'être d'origine bretonne. Donc qui revient régulièrement à Brest. Et sur la droite, pardon ? Un peu à ton initiative quand même d'ailleurs. Non, c'est pas moi qui ai démarré ce truc-là, c'est un collègue. Je suis dedans que depuis 18 ans, pas fin. Et du côté droit, j'ai mis des sites qui sont des sites qui permettent ce partage. Donc si vous ne connaissez pas Innovation Pédagogique, je serais très étonné, mais pourquoi pas, qui est un lieu où tout le monde peut aller poster facilement son retour d'expérience et d'avoir des retours. Et puis nous sommes donc dans un site qu'on a mis en place il y a un an qui s'appelle Riposte Créative Pédagogique, où on s'est posé la question justement de ce recueil d'expériences et ce partage pour pouvoir avancer ensemble, parce qu'on s'aperçoit que dans les difficultés qu'on a vues par rapport à la pandémie, une impression c'est que tout le monde n'a pas accès à l'information des bonnes pratiques et que ces bonnes pratiques-là, elles ont du mal à diffuser. Alors elles sont diffusées dans certains canaux, mais ces canaux étant fermés, vous pouvez être à côté des canaux. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans ces canaux-là. Si dans une communauté, il y a un peu plus de chances de voir passer les choses. Voilà, donc la coopération, on avait donc fait à QPES là, en 2019, c'était sur la coopération. Et on a eu trois présentations, et j'en retiens deux ici. La coopération de la présentation de Jacques Lanarès. Ça doit être écrit quelque part, qui démontre la notion de coopération en termes de changement de posture entre le prof, l'étudiant et les autres personnels de la communauté éducative. Et donc là, on a effectivement ce changement dans les méthodes, apprendre à travailler ensemble, tant entre étudiants qu'entre profs. Et puis, du coup, des climats de coopération avec des valeurs qui s'affichent et donc une richesse qui se met en place et qui permet un meilleur accompagnement. Ça devrait être super important aujourd'hui avec nos étudiants. Et on a du mal à le mettre en place. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ça, c'était le discours de Michel Briand, qui était le changement de posture dans un sens d'ouverture. Et donc, l'idée de l'ouverture, c'est d'aller au-delà de cette communauté au niveau d'un établissement. Et c'est important. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler de
d'établissement, c'est super important d'avoir un volet dans son établissement. Mais au-dessus de l'établissement, il y a des choses qui vont faire qu'on va pouvoir irriguer de manière beaucoup plus large et d'espérer une transformation sociale. Donc, notamment, Michel nous avait parlé de compostabilité des idées. Donc là, tout à l'heure, on parlait de pérennisation. Mais à contrario, une idée, ça a une durée de vie. Et une idée n'est pas vraie tout le temps, partout. Toujours, elle est vraie dans un contexte et il faut apprendre à la recycler, c'est-à-dire éventuellement la changer et ou l'abandonner. Et donc ça, c'est une question aussi qu'on voyait pas trop. C'est peut-être le côté durable qui nous amène à nous poser des questions comme ça. Voilà, et puis j'ai repris un autre transparent fait par mon ami Jacques Dubois sur ces questions d'ouverture. L'intérêt de la pédagogie ouverte, c'est que ça permet de faire un certain nombre de choses avec des étudiants, de manière ouverte avec l'extérieur. Donc la transparence permet de générer des coopérations qui sont parfois fructueuses et souvent fructueuses. Et j'ai envie de dire que le surcoût de l'ouverture étant faible, l'investissement en vaut la peine, pour dire ça de manière tout à fait pédagogique. Bien. Ça, je l'ai rapidement commenté tout à l'heure, donc cette coopération ouverte, ce changement de posture. Je ne sais pas, il va y avoir Michel qui va passer vous voir ou pas? Ou il est déjà passé? Il est déjà passé, justement. Bon, donc je ne refais pas. Je m'en doutais un peu, mais pour dire quand même, j'ai mis le transparent pour dire que je m'inscris tout à fait là-dessus. Et donc, sur les enjeux actuels, il y a eu la question de l'hybridation qui avait lieu en septembre. Donc là, on a eu pas mal discuté. Est-ce qu'on fait les cours en présence? Est-ce que la présence, qu'est-ce qu'on fait en présence? Qu'est-ce qui est vraiment important? Eh bien, la réponse de la Sorbonne, ce sont les évaluations. La réponse d'autres, ce sont les TP. La réponse d'encore d'autres, ce sont les aspects sociaux. Donc, on peut, suivant nos valeurs, on va mettre différentes choses dans la présence, ou le maintien, ou le soutien, ou d'autres modes de médiation pour ceux qui décrochent ou qui n'ont pas de bonne connexion. Enfin, il y a plein de raisons, mais il faut être au clair sur qu'est-ce qui est important en présence et qu'est-ce qu'on valorise. Et du coup, se pose la question de comment j'articule présence et distance. Donc, ça, c'est la notion d'hybridation. Et après, on avait vu passer la notion de comodalité. Et la commodalité, c'est quelque part l'idée que dans un fonctionnement normal, je propose un cours de même richesse et de même équité aux gens qui sont en présence, aux gens qui sont à distance en synchrone ou aux gens qui sont à distance en asynchrone. Et donc là, vous vous posez la question de multiplier vos modalités pour que tout le monde puisse profiter de vos enseignements. Ça, c'est des choses qui sont vendues, entre guillemets, enfin qui sont expliquées par nos amis canadiens et qui viennent d'un modèle américain qui s'appelle iFlex. Et ça, ça pose une exigence et ça repose la question aussi par rapport aux institutions de se dire « Ah ouais, mais si je veux continuer le en ligne, après ce qui nous est arrivé, après la pandémie, en fait, ça va avoir un impact sur la manière de faire cours. Ça va avoir un impact sur les investissements et ça va avoir des impacts qui sont compliqués. Donc il faut savoir pourquoi on veut le faire et comment on veut le faire. Et qu'est-ce que ça apporte? Parce que le comodal pour les Canadiens, c'est en gros, ça permet aux gens qui ont une activité à côté de pouvoir continuer à participer au cours. Et ça permet aux gens qui sont loin de pouvoir continuer à participer au cours. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup des gens qui ne sont pas tout le temps là. Et ça, c'est des choses qui sont très vraies au Québec, parce que ils ont quelques milliers de kilomètres de plus que nous en termes de largeur et une moins grande couverture en termes d'institution. Voilà. L'autre question, c'est la transformation de cette relation enseignant-étudiant. On accepte aujourd'hui que nos étudiants ne soient pas là pendant un cours parce qu'on sait qu'il peut y avoir plein d'autres raisons de ne pas être là. Et donc on a effectivement cette notion d'espace-temps où on est tous ensemble qui change. On a aussi et donc ça fait un changement de contrat pédagogique. Ça, c'est intéressant en termes d'innovation, c'est qu'en gros on n'attend plus les mêmes choses de nos étudiants. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut forcément reformaliser pour être au clair sur
qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable, qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous, et qu'est-ce qu'on vous délègue, qu'on ne vous déléguait pas avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on délègue beaucoup d'autonomie, et donc ça veut dire que ces questions d'autonomie, d'organisation des étudiants, de travailler moins en lien avec nous, en fait, ça va changer leur manière de travailler, donc il faut qu'on les accompagne là-dessus, qu'on leur propose des outillages et qu'on leur propose des choses. Et ça, c'est un enjeu qui n'est pas numérique, enfin qui est lié au numérique parce qu'on est loin. mais c'est pas spécifique au numérique. Et donc ça c'est un enjeu qui est organisationnel. C'est-à-dire vous pouvez le faire dans votre salle de cours à vous, il faut le faire dans votre salle de cours à vous, mais quelque part ça pourrait être ça serait sans doute plus efficace si c'était traité à un niveau institutionnel. Ça c'est pour vous, pour quelqu'un, c'est la question de je suis à distance, je suis derrière mon Zoom, je vous entends pas. J'ai pas mis en place des outils d'interaction aujourd'hui, mais comment on fait pour que ça se passe bien? Donc là, il y a une conférence de Christelle Lison qui est disponible sur Riposte Créative Pédagogique sur ce développement de sentiment de présence à distance. Rien d'extraordinaire, hein, mais avoir des échanges, avoir de l'empathie, proposer des activités qui permettent de travailler malgré tout, et encourager des échanges. Voilà, donc ça, il y a des jolis articles qui ont traité ça et qu'il faut savoir mettre en œuvre. Donc rien de nouveau non plus, mais rendu plus important par cette question de pandémie. Un truc qui n'est pas lié à l'innovation, mais qui nous intéresse, nous, les gens du numérique, qui est ce que disait Yann au démarrage, c'est « Ah ouais, bah forcément, on va faire autrement. Oui, mais... oui, mais peut-être qu'on va aller... » Alors, vous voyez, l'échelle est assez proche de celui du modèle SAMR que je vous proposais ce matin, au début. Donc, on démarre, on a fait un truc, ça marche. Mais il y a un petit 1, pour pouvoir passer sur les niveaux, là, il y a des flèches qui sont, pour que ça marche, il faut que l'enseignant s'engage, c'est-à-dire que c'est pas juste, on l'oblige à. Il faut qu'on arrive à intégrer tout ça de manière à peu près fluide, et puis il faut aussi que nos étudiants suivent. Là aussi, mardi, c'était Eric Tanguy qui nous disait, mais nous, on fait des TP à distance avec nos étudiants, on pensait qu'un copier-coller, ils savaient faire, et en fait, non. Il y en avait qui ne savaient pas faire. Donc on peut avoir des surprises, y compris chez les étudiants, qui ne sont pas du tout forcément plus forts que nous. Voilà. Et donc en fait, ce qui nous inquiète du côté des technologies numériques, c'est le truc à droite, c'est-à-dire qu'il peut y avoir rejet. C'est-à-dire qu'à n'importe quel niveau, vous pouvez avoir quelque chose qui fait que ça ne se passe pas bien, que vous en avez marre, que vous ne supportez plus, que c'est trop dur, qu'en fait les gens ne sont pas contents et qu'après on nous dise « Ah, maintenant, plus jamais ça ». Et si on tombe dans le plus jamais ça, ben on aura raté le truc. Donc ça, c'est Thierry Carcenti qui avait proposé ce modèle-là, qui est intéressant parce qu'il nous dit c'est pas parce qu'on a commencé que c'est forcément gagné. Enfin, moi, c'est ce que j'en retire. Il y a plein de bonnes choses là-dessus. Mais il y a ce truc-là. Et puis voilà, j'ai pas fait beaucoup d'exemples précis, mais ça, c'est un transparent que j'aime bien, que je propose à mes étudiants. Il y a sur des choses qu'on fait faire à nos étudiants et qu'on leur dit c'est vous qui faites en fait dans un cours quand on les a tous sur des tableaux à travailler ensemble ou qu'ils puissent contribuer à la construction d'un cours ou qu'ils puissent partager ce qu'ils ont retenu d'une présentation, bah à ce moment-là on a à peu près gagné. Donc voilà, c'est ça que j'aimerais qu'on fasse ensemble éventuellement maintenant, sachant que là on peut parler de plein de trucs qui sont dans tous les sens. Je te laisse pour la question de la sémantique transparente. Je sais que tu aimes bien les questions. Pardon. Par rapport au transparent, c'est vrai que tu parles, tu dis toujours transparent. Je dis transparent par rapport à mes slides, pour parler un peu d'un terme français. Ça, c'est parce que je suis de la vieille école, mon brave monsieur. Moi, j'ai commencé au tableau noir, ensuite on est passé au tableau blanc, et après on a eu les acétates pour parler belge ou canadien, je ne sais plus. Donc moi, je suis resté avec mes transparents que je mettais sur mon rétroprojecteur et que je pouvais noter avec mon petit stylo que c'était bien. Il fallait aller
fallait soit les faire à la main, soit les faire imprimer spécifiquement dans les imprimantes. Typiquement, diapositive, ça marche en français. Ouais, mais diapo, ça fait encore plus vieux. Donc j'utilise le terme transparent. Ok. Puis j'aime bien la transparence et l'ouverture, ça c'est peut-être pour ça. Donc merci beaucoup Jean-Marie d'avoir fait cette présentation sur les différents sujets. Est-ce qu'il y aurait déjà des premières questions ou des réflexions par rapport à nous, ce qu'on a pu vivre à l'IFPEC et qui a pu être éclairé par ce qu'a dit Jean-Marie depuis tout à l'heure? Qui c'est qui se lance pour le premier échange? Vous êtes tous en prosprandial. Comment gérer les élèves qui décrochent à distance? Belle question, merci Vincent. Ça, c'est la difficulté de l'accompagnement et comment on accompagne, comment on diagnostique aussi ce décrochage. Déjà, enfin, ça me renvoie sur on a eu des tas d'articles de recherche sur le décrochage dans les MOOC. Qui était, quand on sent que la personne ne participe plus, on lui envoie des mails, on va rentrer en contact. Je pense que le contact, il ne se montre pas en vision comme nous. Alors, et ceux qui sont en burn-out, on allait y venir, et on n'a pas le même contrôle qu'en présentiel. Alors, on n'a pas le même contrôle qu'en présentiel, oui, c'est vrai. Par contre, on a d'autres modes de contrôle qu'on n'a pas en présentiel. Donc déjà c'est créer de l'interaction, retrouver des temps d'interaction. Je pense qu'il y a des gens qui font ça, que ça marche pas mal. Il y a le fait le coût des zooms qui sont fermés. Il y a eu un article qui est passé il y a pas longtemps. C'était dans une conversation. Des gens de Saclay et de l'Institut Charpak. Qui proposaient des tas d'activités à faire pendant Zoom. C'est-à-dire qu'ils ont des tas de brise-glace. Donc des choses qui cassent un peu le rythme, qui permettent à chacun de s'exprimer et qui permettent vraiment de construire du groupe. Donc si vous avez des gens que vous ne voyez jamais, n'hésitez pas à faire des trucs comme ça. Ça ne peut que faire du bien. Donc il y avait cet exemple-là qui était. Je peux retrouver le lien après. Ça c'est un vrai, ça peut être des vraies aides, voilà, de trouver, de régénérer de l'interaction. Vous pouvez poser des questions et j'ai un collègue, il a un WhoClap à peu près ouvert tout le temps avec un bouton je suis perdu. C'est-à-dire quand l'élève décroche en cours, il clique sur le je suis perdu, prof s'arrête, qu'est-ce qui va pas, c'est éventuellement un échange dans le chat et puis on redémarre sur le truc qui fait qu'on n'a pas compris. Ça c'est un autre exemple de ce qui peut être intéressant. Il peut y avoir les reprises de contact. Alors sur ceux qui sont en burn-out, ceux qui sont chez eux bloqués, là on a plein de témoignages en ce moment et je connais un de manière proche, ben en fait moi, je pense qu'on est arrivé là, c'est qu'on est déjà, qu'on a des idées morbides, on va dire. Je pense que c'est déjà trop tard. Et donc là, moi, je pense que ceux qui décrochent aujourd'hui, on peut pas leur en vouloir. C'est au-delà de ce qu'on est capable de faire et il faut arriver à les détecter, il faut arriver à les détecter au plus tôt. Et ça s'entend, effectivement, ça se voit quand on a quelqu'un qui s'endort au milieu de l'amphi, on peut aller le voir en lui disant qu'est-ce qui t'arrive, ou l'engueuler, c'est au choix, mais c'est mieux d'aller le voir. Ben là, c'est un peu pareil, donc il faut trouver des moyens de les rendre actifs pour pouvoir visualiser et détecter ce qui se passe pas bien. Et c'est pareil, hein, quand je parlais des MOOC tout à l'heure, toutes les modalités qu'on a, c'est en gros... quelqu'un qui est engagé, qui fait des choses, il n'est pas en train de décrocher. Et quand vous allez détecter son décrochage par rapport au fait qu'il interagit moins. Je pense que ça, oui, il y a le suivi pédagogique individuel. Alors après, je vois plein de réponses. Enfin, j'ai du mal à voir toutes les réponses en même temps. On fait ça pas mal avec le tableau de trucs en service sanitaire. Il y a la priorisation, en fait. Je pense que c'est ça, dans l'ensemble des données et l'ensemble... de la mise à distance, en fait, ce que Amélie dit, c'est que ils n'arrivent plus à savoir ce qui est prioritaire dans l'enseignement du prof. Quoi. Il y a tellement d'infos, de ressources, des fois, que l'on peut donner, qu'on n'a plus cette cartographie de... Ça, c'est... D'ailleurs, en situation des savoirs.
Ça, en fait, c'est un truc qu'on ignore d'habitude. Et que là, on reprend dans la tête de manière un peu plus forte. Mais le j'enseigne, mais apprennent-ils de Michel Saint-Onge, là, que tout le monde cite à chaque fois qu'on dit ça, il est très vrai, qui en gros, si vous arrivez à faire les 20% qui sont essentiels, à trouver les 20% qui sont essentiels et à mettre derrière de manière accessible, de manière indirecte et en minimisant le truc, ça marchera mieux. Et l'autre truc qui marchera mieux, c'est qu'effectivement, on a une surcharge cognitive parce qu'on utilise plusieurs outils. Là, j'ai quatre écrans ouverts devant moi. J'ai une surcharge cognitive, donc j'ai une partie de mon attention qui est occupée par autre chose. Donc c'est évident que j'ai moins de bandes passantes pour faire autre chose. Et ça, c'est vrai pour le prof et c'est vrai pour l'étudiant. Et donc vous avez d'autant plus de chances de les rater, et eux, ils ont beaucoup plus de chances de les rater. D'autant qu'ils sont chez eux dans leur studio de 8 à 11 mètres carrés, 24 heures sur 24, qui voient plus de copains, qui décompressent plus, et en plus, moi, je vois continuer à passer. Des gens qui disent, ah ouais, tiens, on va faire un nuage de mots, mais il faut qu'on contrôle qu'il n'y ait pas un gars qui dise une connerie, parce que vous comprenez, on ne peut pas se permettre une connerie en cours. Si! Il faut qu'il y ait des conneries en cours. Non, je caricature, mais je veux dire, faut pas avoir peur des moments de baisse de tension. C'est-à-dire que ne plus savoir prioriser, c'est que vous êtes en phase de surtension. Donc il faut baisser la tension du truc. D'où l'importance de réguler après le CMA. Je ne sais pas ce que c'est que le CMA. CMA, en fait, c'est une modalité qu'on a identifiée, en fait, qui est un cours magistral asynchrone. Ouais. Donc, tu donnes des ressources aux étudiants, tu programmes du temps, ils ont un certain temps pour les lire, et après, on va vers la régulation, un TD, vraiment, on va favoriser l'interactivité, la compréhension de la discipline, de l'élément que tu as donné en asynchrone. C'est comme ça qu'on a Là, identifié nos différents temps pédagogiques, et pour que ce soit clair autant pour les formateurs que pour les étudiants. Donc, on a donné des petits noms à ces séquences ok. asynchrone, virtuel synchrone. Et là aussi, ce qu'on apprend dans les amphis ou ce qu'on a appris aussi par les MOOC, c'est des vidéos courtes sur un sujet et avec une validation de la compréhension première de l'objet qu'on vient de présenter. C'est vrai qu'un Et cours ça, classique ne penchait pas vers ça. C'était plutôt des gros longs diaporamas. On sait aussi qu'un amphi, on a l'impression de perdre du temps, mais un amphi où je présente un concept, je vérifie qu'ils ont compris par une petite activité courte et je repasse à la truc, ça permet de casser ce problème d'attention qu'on ne peut pas tenir tout le temps. Ça permet aussi de faire du renforcement. Donc ça, c'est classique, c'est connu et c'est partagé par tout le monde. Peut-être Mais que c'est vous. cool. Mais c'est vrai que c'est plus dur à faire et que je ne l'ai pas fait typiquement ici. Donc j'ai rien à dire. Et peut-être que Voilà. c'est peut-être ça qui va rester justement après cet épisode de crise, c'est que finalement, les longs cours magistraux qui étaient pas forcément une litanie, mais un long temps de prise de parole de l'enseignant, sans forcément activité, c'est ça peut-être qui va complètement disparaître à la fin de la crise, parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas avoir une attention pendant 2 heures. Longue, ça va Je peut-être sais pas. amener à re-réfléchir, à retransformer, ou alors il y a un réflexe de revenir comme avant. Alors d'abord, dans toutes les courbes de maturation, il y a toujours le réflexe de revenir avant tant que tu n'as pas atteint un certain niveau de maturation. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, je dis je sais pas, ça va dépendre aussi de votre vécu et du vécu de chacun. C'est-à-dire que je suis pas persuadé que dans un cours où t'as 400, dans un amphi où tu as 400 personnes, où tu as une volonté toi de faire passer tes connaissances, où tu as appris ça pendant des années et où tu fais du droit, je dis du droit pour fâcher personne ici, on n'est pas dans la même logique. Et donc je suis pas sûr que ce soit vrai partout, toujours. Je pense que typiquement là aussi, c'est vrai que, alors, je prends l'exemple pour chez nous, là, ici, on s'est mis à faire des projets, on a commencé à en faire partout. Et donc maintenant on en fait beaucoup, mais voilà, on a des fils rouges, on a des choses qui font que nos étudiants ont des activités qui sont liées au cours. C'est des pratiques qu'on lâche plus, parce qu'on les a gardées suffisamment longtemps. Et pareil, ces pratiques d'interactivité, si on les garde assez longtemps, ceux qui l'auront mis en place, ça va garder. Mais c'est pas vrai dans tous les établissements. Je citais le droit parce que c'est vrai. Alors, comment adapter? Elena veut une réponse. Est-ce que la question est comment adapter nos outils pédagogiques pour correspondre au plus grand nombre d'étudiants? Est-ce qu'un variant, en variant les modalités, faut-il faire des sondages pour choisir nos modalités?
question, est-ce que le choix doit venir de la part de l'étudiant? C'est un peu ça ta question, Elena. Tu veux peut-être ouvrir ton micro et peut-être expliciter un peu ta question. Est-ce que ça doit venir de l'étudiant, l'initiative de l'étudiant ou l'initiative de l'enseignant? C'est un peu ça? Bah c'est ça, parce qu'on essaye de travailler. Bonjour déjà. On essaye de travailler sur des modalités pédagogiques pour structurer un petit peu nos enseignements en hybridant notre enseignement. Et on a quand même des étudiants, même si on est encore néophytes, qui se plaignent de la modalité à distance, qui ont du mal à adhérer au CM, soit synchrone, soit asynchrone, au TD virtuel, même si on est en synchrone. Et du coup, comment savoir finalement ce qu'on fait, c'est bien? C'est par des TD de régule, c'est par des... comme vous disiez, d'évaluer leur acquis une fois que le cours est donné? C'est toujours une vaste question. Je pense que faire des bilans avec les étudiants, c'est déjà bien. Leur demander leur vécu, leur ressenti sur ce que vous avez fait. Est-ce qu'ils l'ont vu de manière positive? Est-ce qu'ils se sont appropriés de manière positive? Je dis ça notamment parce que moi j'ai des souvenirs de trucs en ayant changé d'établissement, des machins qui marchaient du feu de Dieu à un endroit qui à côté était considéré comme insupportable. Et c'est très très contextuel. Donc il n'y a pas une modalité qui marche partout. Enfin, il y en a peut-être qui marchent partout, mais il y en a plein qui ne marchent pas partout. Donc il faut, je ne sais pas si c'est des sondages, si c'est un bilan à la fin. Enfin, faut faire des bilans régulièrement, des retours réguliers pour voir ça marche bien, ça ne marche pas bien, comment vous trouvez. Et puis ouais, on verra qu'il y a des fois des réponses qui nous laissent pantois, où ils nous disent bah, effectivement c'est moins efficace. J'ai l'impression d'être moins efficace. Et s'ils ont l'impression d'être moins efficaces, ben ils sont moins motivés, ils sont moins engagés et c'est perdu. voilà. Donc demandez aux étudiants, oui. Vous pouvez aussi voir si ça marche bien en regardant si la courbe d'apprentissage est bonne, mais celle-là, je pense qu'on a le plus de mal à la mettre en place. Ça nécessite un outillage. Parfois, les étudiants sont a priori contre. Oui, il faut poser la question après avoir fait, après avoir vécu le truc, en disant bah écoutez, il y a pas de problème d'aller voir. Enfin, je sais pas où vous en êtes, mais aller voir les étudiants en disant bah on va tester ça, on va voir. Et puis, on est dans une démarche expérimentation labo. Je pense qu'il faut tester des modalités et d'animation et d'enseignement et d'évaluation. Et réussir à voir à chaud comment les étudiants l'ont vécu. Donc et on après, peut avoir voilà. cette honnêteté de dire qu'on expérimente quelque chose. Oui, je pense qu'il ne faut pas avoir plus de le dire clairement aux étudiants. Moi, je ne sais pas, vous avez peur de dire « je ne sais pas » aux étudiants? Ah non, ce n'est pas ça, mais dire qu'on expérimente quelque chose. Là, pour parler de quelque chose de récent, il se trouve que je n'ai pas pu boucler un enseignement en deuxième année de kiné. Donc, j'ai proposé aux étudiants de le faire en virtuel, puisque j'ai plus de place en présentiel et même en TD synchrone. Et ils étaient un peu dubitatifs, mais j'ai dit que j'allais aller au bout de mes ambitions avec Romain. On va aller au bout de nos ambitions, on va le faire en virtuel. Bon, c'est une expérience, je leur ai dit, on va voir. Sachant qu'on est en deuxième année, que si ça ne va pas, en troisième année, on rattrapera. Si ça ne passe pas comme on voudrait, quoi. Ça c'est entendable. Et puis, je veux dire, on parlait de la question de décrochage. Le tag à étudiants fantômes veut dire que les gars, ils ont l'impression de ne pas être vus. Si vous en discutez avec eux en leur disant, voilà, on tente un truc, on essaye d'aller vers vous et on pense que ça peut être bien. Vous avez a priori, en tant qu'enseignant, vous avez a priori, ils ont appris un a priori en se disant il doit avoir une idée, il ou elle doit avoir une idée. Donc on va voir quoi. Ils ne vont pas être contre. C'est pas une question de je suis contre. Je sais pas moi les vidéos. C'est bon, on va les vivre comme ça. Mais je pense que ce qui compte, c'est la relation authentique en fait que l'on noue avec les étudiants. Et ça, c'est pas lié à la situation ou au numérique. C'est plutôt la relation pédagogique. C'est comme avec le patient, dans le milieu de la santé, on a quand même beaucoup changé la posture depuis 20-25 ans sur l'éducation au patient, l'éducation à la santé, l'authenticité de la relation. C'est la même. Pour moi, on est dans les métiers de la relation humaine. Ce qui prime, c'est l'authenticité, l'honnêteté. L'enseignement est effectivement une activité profondément humaine, heureusement. Il ne faut pas avoir peur de dire qu'on ne sait pas et qu'on teste et qu'on tente et qu'on réussira et qu'on ajustera. Je pense que c'est mieux que de leur dire vous n'avez pas compris et vous êtes nul. C'est
passé pendant le premier confinement, où il y a vraiment une relation d'ajustement entre les étudiants et les formateurs, et chacun était un peu, entre guillemets, dans la mouise, et chacun a compris que ben, ce n'était pas aussi simple ni pour l'un ni pour l'autre, et donc il y a eu une espèce d'empathie réciproque. Et je crois qu'il ne faut pas la perdre. Et je pense qu'elle est perdue. Aujourd'hui, une des questions qui se posent pour pas mal d'étudiants, c'est qu'elle est perdue, quoi, cette empathie. Et c'est pour ça que... Ou elle n'a jamais eu lieu, hein, parce que c'est vrai qu'en plus, quand on voit les médias, on nous cible certains établissements et on se dit, oui, bon, ok, d'accord, là-bas, on sait qu'ils ont trop d'étudiants pour pouvoir gérer ça. Ouais, c'est sûr, quand il y a des promos de 1200, 1500 étudiants pour un enseignant. Avant, ça se passait pas bien, mais c'était compensé par autre chose. Voilà, donc ça amplifie, c'est clair que ça amplifie. Mmh. Mais dans les métiers, dans les enseignements orientés métiers, on a moins le problème, quoi, je pense. Mmh. Sur les petites structures, sur les petites écoles, je pense que la relation de proximité est hyper importante. C'est ce qu'on essaye de maintenir aussi à l'ISPEC, en termes de proximité. Mmh. Et peut-être que notre métier est peut-être en train de muter un petit peu aussi dans la relation d'accompagnement. L'accompagnement, on le voit peut-être d'une autre façon, d'une autre... Si tu reprends typiquement, je pense au colloque question de pédagogie et enseignement supérieur, qui est où finalement on a beaucoup de gens qui sont dans des formations métiers, dont des gens, des profs dans les écoles de sages-femmes, des choses comme ça. Et on voit qu'on a un peu les mêmes préoccupations et effectivement les mêmes évolutions. Et c'est vrai que plus ça va, plus on voit sortir ces questions de coopération, de confiance, de valeur, enfin de choses qui sont réaffirmées, qui n'ont jamais disparu, mais qu'on réaffirme très fort en ce moment. Le design coopératif, quoi, la question de faire participer les étudiants à la réflexion pédagogique, à la conception des enseignements. Quoi. Ouais, ça ses intérêts, ses limites. Oui. Et dans une période de crise, peut-être qu'il y a cette besoin de proximité, en tout cas dans les deux publics. Quoi. Mais là aussi, c'est Michel qui est passé à la notion de résilience. Oui. Et il a tout à fait raison. Hein. C'est quelque chose moi, typiquement, je le dis depuis quand on a démarré le confinement et qu'on me dit « Ah ouais, mais là, on va attendre que ça se passe et on va repartir ». Non, c'est pas vrai. Ça fait des années là qu'on prend des trucs sur la tête, une diminution de moyens. Là, c'était le confinement, mais il y a eu les grèves, il y a eu les coupures de courant, il y a eu des tempêtes. Enfin, on a plein d'exemples qui font qu'on sait qu'on aura des aléas de plus en plus sympathiques à gérer et qu'il faudra que malgré tout, on continue notre mission. Bon, je ne vais pas parler de continuité pédagogique parce que c'est très typé maintenant, mais et c'est bien ça qui est derrière. Et donc, il faut qu'on apprenne à être réactif et à changer. Adaptable. Tout en gardant des valeurs de rigueur scientifique, d'empathie, etc. Elena, tu voulais poser une autre question? Oui, juste une remarque et une question par rapport à la satisfaction qu'ont les étudiants par rapport à nos enseignements en présentiel ou en distanciel. Il est vrai que comme la période est très bouleversante pour nous tous, pour eux particulièrement, ils ont sans doute du mal à dire, ils sont un peu perturbés, donc je pense qu'ils sont plus vite dans la critique que dans une autre configuration. Donc je pense que ça fausse un peu les retours qu'ils peuvent parfois nous faire, et donc il faut les prendre parfois avec prudence. Et j'ai une question enfin, vous avez parlé de sentiment de présence à distance, est-ce que vous pourriez juste nous donner quelques clés pour justement arriver en cours distanciel à avoir, à être proche d'eux? Qui se sentent vraiment comme si on était en phase 2, quoi. On en a parlé de différentes manières sur le schéma proposé. Alors, je viens d'arrêter de partage, donc c'est juste le gaguesque. Dans le schéma d'Anderson, Archer, Garrison, Anderson et Archer, et repris par Petit, il y a ces pour faire de l'apprentissage, il faut qu'il y ait une présence sociale. Donc, il faut encourager les échanges. Et ça, Christelle passe une heure là-dessus, sur le fait de se dire bonjour, le fait d'avoir quelque chose qui fait qu'on est en contact et qu'on est
en empathie avec les gens, enfin qu'on ça c'était le climat favorable. Donc faire que les gens se sentent bien et se sentent accueillis. Là, vous en avez peut-être plus qui seront avec leur caméra ouverte. Et encourager des échanges, donc avoir des pauses, susciter des gens qui répondent, susciter des moyens, ce qu'on a là au travers d'un chat, ou ce que je disais sur le button, le panic button, je ne comprends plus, enfin des choses qui... Ou des gens qui peuvent... Ou faire parler les étudiants, je veux dire, à un moment, quand on faisait des classes, les premières fois, on utilisait des classes virtuelles comme on utilise aujourd'hui, il y avait un truc comme ça, et qu'on fait moins, c'était... Si on est en classe CMA, classe inversée, machin, ou même en TD, c'est faire parler chacune des personnes, pas forcément les forçant, mais en leur proposant de prendre en trouvant des moyens de leur faire prendre la parole ou l'écriture, faire de la coécriture avec des. Il n'a pas marché, hein, ton pas de là, à ce propos. Voilà, donc il y a différents moyens. Il y en a qui marchent certains jours, d'autres qui ne marchent pas d'autres jours. Et puis, il faut avoir... Voilà, après, on a sa banque de choses qu'on sait faire. Et là, il faut aussi faire des choses qu'on sait faire. Hein, c'est-à-dire que c'est pas la peine de tester un truc compliqué au moment où on est en cours. Et puis, voilà. Faut choisir, limiter les contenus, les choisir. Et avoir des activités qui obligent les gens à se mettre en action et à s'engager dans le travail. Donc c'est un petit QCM, c'est un débat par personne. Le truc qui marche bien, c'est de les faire travailler en petit groupe. Les Teams, Zoom et autres machins permettent de faire des petits groupes. Donc en TD, on a des petits groupes. Et puis, du coup, ils parlent entre eux. Et du moment quand on passe, ils parlent d'autre chose. Mais c'est pas grave. Ou en général, au bout de 3 minutes, ils reviennent dessus. Et le fait qu'ils soient ensemble, qu'ils soient entre pairs, ils ne sont pas tout seuls devant leur TD. Donc, ils restent plus concentrés. Et donc, on a des échanges qui se font entre pairs. L'échange, il n'est pas forcément prof-élève, hein, il est élève aussi. Et quand l'élève prend la parole face aux autres, il y a toutes ces démarches de travail entre pairs qui sont des choses aussi qui sont intéressantes. Mais voilà, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place après c'est de la curiosité au sens j'ai vu tel truc que j'ai lu à tel endroit qui m'avait paru intéressant ou je me rappelle d'un truc que j'avais eu à l'époque ou une envie de faire et puis de comme on a dit de tester de dire on voit si ça passe et c'est vrai que c'est la problématique des TD et de la massification en fait des TD anti groupe 20-25 c'est facile de faire donner la parole à tout le monde quand tu es en groupe de 100 ou en groupe de grands promos, tu découpes. Oui. Tu découpes, tu fais un vote et puis tu limites le niveau d'interaction effectivement remonté, mais tu crées de l'interaction par petits groupes et tu crées un vote au bout de 5 minutes, tu ramènes les gens. J'imagine que dans Teams on peut faire ça comme dans Zoom. Dans 15 secondes vous revenez et puis on fait un vote sur WhoClap et puis on a quelque chose. Chacun trouve le truc qui lui convient et on discute. Il y a ces fondements-là, ils sont vrais pour tout le monde. Et puis après, chacun, ou la Bénédicte, qui disent moi, ça marche super bien, les padlets à remplir ensemble. Moi, j'ai un peu plus de mal, donc c'est pas forcément ça que je fais. Mais c'est pas grave, je suis content de savoir qu'il y en a pour qui ça marche. Il faut trouver le bon outil avec ça. C'est une équation pas forcément simple, en fait. Entre l'enseignant, l'étudiant, la discipline, le contexte, le nombre d'étudiants. Je vais te le faire start-up. Je vais te le faire start-up au numérique. Se tromper souvent pour se tromper. Il faut se tromper souvent. Ça marche pas. Je passe à autre chose. Faut par contre, quand ça marche vraiment pas, faut pas rester scotché dessus. Mais on est vraiment dans un truc d'abondance. Donc on a d'abondance de solutions. On les filtre et puis après, alors ça prend du temps. C'est vrai. Il y a aussi la réflexion de Rosanne qui dit qu'au, je sais pas si tu la vois, premier confinement, il n'y avait rien en présentiel. Elle se sentait plus en contact avec chaque étudiant. Alors que le deuxième confinement qui intégrait la présence, la distance, l'organisation, et forcément, on a perdu un peu peut-être là-dessus aussi, quoi. Bah, c'est qu'on était obligé d'utiliser des canaux qu'on n'utilisait pas d'habitude. Mmh. Je ne sais pas ce que c'était que les canaux de Rosanne, mais c'est vrai que quand on se retrouve sur WhatsApp, c'est un truc qu'on a l'habitude de causer.
du WhatsApp ou ce que tu voudras, mais entre le mail qui a un truc qui a toujours été officiel et il y a une vidéo qui au départ était servait à la fois à faire cours et à la fois à faire à faire des apéros, ça marche bien. Par contre, voilà, il y a aussi le vieillissement des outils, parce que c'est vrai que le Zoom, plus personne ne se montre. Et moi, je comprends assez bien quand je dis, tiens, on va faire une vidéo avec mon gamin et qu'il me dit, mais j'en ai déjà fait pendant 10 heures aujourd'hui. Je dis, bon, ok, téléphone. Ouais, c'est un changement. Donc on a aussi ce truc-là. Il y a des choses qui... quand il y a des phases de changement, il se passe des choses différentes. Et quand on repasse dans la routine, il faut comprendre les nouvelles routines. Puis il y a peut-être aussi l'effet qu'on a vécu dans les formations où on avait le droit finalement d'organiser des TP en présentiel, c'est que finalement on était obligé de mener double dispositif. Le dispositif à distance, une partie des étudiants le font, et un dispositif en présentiel. Donc, ça, en termes de démultiplication de tâches, de temps de cerveau à réfléchir. Ah ben je trouve qu'on a très, très. Avec les gars, les profs à qui on a fait ça en éducation nationale, à toutes les études d'éducation nationale qu'on a forcé à faire ça, j'aimerais bien savoir ce qui s'est vraiment passé. Moi, je n'ai pas de gamin dans ces âges-là, donc je ne vois pas trop ce qui se passe de fait, mais je n'imagine même pas comment ils y arrivent, quoi. Ça me paraît tellement énorme de faire un truc double avec en plus un équipement pas adapté. C'est ce qu'on disait sur la commodalité. C'est comment tu vis la commodalité en tant qu'enseignant, quoi. Ouais, non, mais la commodalité vue par les Québécois, c'est une exigence énorme. C'est ça. Ou alors, commodalité égale co-animation. Qu'est-ce que tu entends par co-animation avec deux profs? Par exemple, deux profs, quelqu'un qui gère la dynamique à distance synchrone. Ouais, c'est ce que je veux dire par une exigence énorme. T'as déjà une exigence énorme. Et encore là, t'as fait que le synchrone à distance et en présence. T'as pas encore fait la synchrone. Ou tu dois avoir des activités qui soient aussi engageantes que quand t'es en présentiel. Elena a une réflexion, elle a levé la main. Ah non, moi Yann, j'avais levé la main tout à l'heure, mais. Ah, parce que c'était réfléchi. Pardon. Mais j'écoute attentivement, c'est intéressant. Je sais qu'il y a Servan qui a tenté à un moment une commodalité par contrainte parce qu'il y avait des étudiants qui étaient Covid. Oui, c'est ce que j'allais dire, par contrainte. Et alors ? Bah justement, qu'est-ce que t'en as retiré ? En fait, il y a eu deux. On va dire qu'il y a eu deux temps sur cette histoire-là, si on peut l'appeler comme ça. Je me suis retrouvée en fait avec des étudiants qui étaient cas positifs. Donc, qui étaient en isolement chez eux sur un TD qui était prévu en présentiel à l'IFPEC avec 12 étudiants. Et donc, je me suis retrouvée avec à peu près 3 étudiants en présentiel et 7 étudiants en virtuel. Et donc, déjà, j'avais un gros... C'était pas du tout équitable, en fait, entre les étudiants en présentiel et les étudiants en distanciel. Donc, je l'ai très mal vécu parce que soit j'étais avec... Ça a été à la dernière minute, évidemment, la veille pour le lendemain. Donc, on avait branché la télé pour que les étudiants en présentiel puissent voir les étudiants en distanciel. Sauf que j'avais pas un super micro. Donc, quand je parlais aux étudiants en distanciel, j'étais plus vraiment avec les étudiants en présentiel. Ils avaient des travaux communs à effectuer ensemble. Donc, en gros, j'ai fait un groupe de présentiel et puis ils se sont répartis en sous-groupes en distanciel. Donc, ça a un peu cloisonné le raisonnement collaboratif, on va dire. Donc, je ne suis pas vraiment arrivée au résultat que j'aurais espéré. Et on a fait un second temps, en fait, dans les jeudis de la pédagogie, au cours duquel on a analysé un petit peu cette situation-là. Alors, c'est vrai que de trouver des solutions à part l'anticipation à ce type de TD-là, c'est ce qui est un peu arrivé en conclusion de notre réflexion avec les collègues ensuite. C'est vraiment des TD qui doivent se préparer en amont quand on le fait en hybride et avec une réflexion sur qu'est-ce qu'on a comme objectif pédagogique et qu'est-ce qu'on attend comme rendu à la fin de ce TD en sachant qu'on a une co-modalité en fait. Voilà, donc je pense que si j'avais été un peu plus préparée, évidemment, ça se serait mieux passé, puisque en fait, ça s'est reproduit, et il y a même eu, Bénédicte qui est là va me comprendre, il y a même eu aussi une fois un formateur qui ne pouvait pas venir, et le TD a eu lieu en fait grâce à la co-modalité, c'est-à-dire que le formateur était en distanciel et les étudiants étaient en présentiel. Donc on avait des étudiants qui animaient pour les autres étudiants et un formateur qui évaluait en distanciel
avec une relative facilité, puisqu'il y avait une double caméra dans la salle, donc il y avait quand même un grand angle, un bon son, ce que je n'avais pas eu moi à l'époque, puisque c'était au début du Covid. Voilà, donc ça c'est l'expérience, mais je trouve que ça a été assez riche d'en parler après avec les collègues, et parce qu'on on a tous à peu près eu cette même conclusion que ça se prépare hein, comme un TD en présentiel ou en modalité unique. Quoi. Voilà ma petite expérience. Il faut effectivement être au clair sur son comment on mène le truc pédagogiquement, avoir prévu un peu les outils. Moi, j'avoue que typiquement, on passe la trail à une caméra que je peux transporter, hein, je peux l'emmener. Je sais pas si ça voit, j'ai dû faire un truc horrible. Mais c'est une caméra qui est grand angle avec un micro grand angle qui permet de prendre toute une classe et que je me suis acheté à un moment parce que c'était pratique quand on faisait des réunions en mixte, soit avec des élèves, soit avec d'autres profs, etc. Donc c'est des choses qu'on a vécues. Quand on les a vécues une fois, on trouve la caméra, alors c'est la Logitech HD machin, qui permet d'eux. J'ai aussi un micro d'ambiance que je me suis acheté une fois, parce que à force de faire des choses comme ça, on a un minimum d'équipement, et puis après, effectivement, on trouve les modalités d'interaction entre la présence, le truc, à voir les affichages. Et de temps en temps, effectivement, nos étudiants nous fascinent. Je me souviens d'avoir vu un groupe d'étudiants et qui était en travail avec un... Ils faisaient un projet. Et leur encadrant de projet était à distance. Et je suis arrivé dans la salle parce que j'étais donc le tuteur académique, et donc j'avais l'affichage, le grand écran devant avec le gars à distance et en commun les gars qui étaient à distance. Il y avait deux ou trois écrans ouverts, un pour le pad collaboratif, l'autre pour le son. Enfin, c'était impressionnant. Plus le téléphone. Enfin bon, on peut faire des choses. Mais comme dit, il faut se mettre à l'aise, il faut avoir le temps de se mettre à l'aise avec ces outils-là pour pas qu'ils t'occupent tes 80% de ta bande passante. Ouais, d'où l'évolution des compétences numériques des formateurs qui ont été, pas mal bousculés là, depuis le confinement. Quoi. Mais ça, c'est un autre truc aussi, c'est pas se laisser... c'est un truc qui est vrai toujours avec les technos, pas se laisser... noyé par la techno. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de mettre en place 36 trucs si on n'arrive plus à les maîtriser. Ou vaut mieux avoir un canal qui marche bien, où on est tranquille et on est à l'aise, que d'en avoir, de vouloir tout faire à la fois. Et ça, c'est un truc qu'on réalise assez fort. C'est vrai qu'à un moment, quand on se regarde et qu'on dit « c'est simple, pour faire mon cours, j'ouvre un pad, j'ai ma caméra, j'ai les gars qui peuvent intervenir, je crée des sous-groupes, etc. » Ouais. Ouais, mais c'est pas... J'ai pas fait ça d'un coup le premier jour, quoi. C'est venu petit à petit, et ça vient chez plein... Ce qu'il y a de marrant en ce moment, c'est que ça vient de chez plein d'autres gens à qui ça venait pas jusqu'à présent. Donc c'est vraiment une... comme une compétence numérique qui se diffuse. Et ça, c'est assez cool. Donc, on a deux autres questions. Bénédicte, d'abord, et après Manfred. Oui, je voulais juste rajouter sur l'intervention là tout à l'heure de Servan en comodalité. Quand toi, tu es isolé ou quand un étudiant est isolé, ou du coup, après, dans d'autres situations, je ne sais pas lesquelles, une impossibilité de venir physique, etc., vraiment je remercie le service informatique, parce que ce qu'on dit là, c'est un peu facile de dire faut prévenir à l'avance. Enfin, moi j'ai su un jour qu'il fallait que je sois isolée pendant 2 jours, je l'ai su le soir, et le lendemain j'avais un TD évaluatif que je pouvais pas annuler sauf si vraiment j'étais dans le lit, mais autrement mon but c'était quand même d'aller assurer cet TD là pour que les étudiants soient pas en difficulté. Heureusement qu'ils ont pu me répondre tout de suite pour m'apporter 2 ordi dans la salle de cours, préparer ça le matin avec les étudiants. Mais je veux dire, ça, c'est des choses qu'on n'a pas prévues aujourd'hui. Ce n'est pas mis en place. On n'a pas un pool d'ordinateurs qui nous permettrait de mettre ça. On n'a pas suffisamment de pieuvres, on n'a pas le matos, quoi. Donc, c'est dire qu'il faut se préparer, c'est non, Yann. On n'a pas ce qu'il faut pour le faire dans plusieurs salles en même temps et avec des étudiants. Et puis, qui est-ce qui va mettre le matériel, etc. Enfin, ça demande une certaine organisation si on ne veut pas être dans la panade et dans la,
justement dans les 80% de bandes passantes du cerveau, en fait, qui est occupé à réfléchir à ça au lieu de réfléchir à autre chose. Mmh. Ouais. Parce que ça a été une organisation d'urgence, en fait, encore une fois. Et c'est ça qui pose question, moi, je trouve, aujourd'hui. C'est que même si on sait que maintenant, on a besoin, on sait qu'il va y avoir d'autres fois où des étudiants seront isolés chez eux ou des formateurs et qui ne seront pas forcément incapables de faire cours, sauf qu'ils ne pourront pas venir et qu'il y avait un truc en présentiel qui était prévu. Comment on adapte ? Il faut aussi qu'on prévoie cette adaptation de manière en amont, je veux dire, qu'on n'ait pas à chaque fois à le réfléchir le jour d'avant pour le jour d'après. Il faut qu'on ait du matériel à certains endroits, quoi. Il faut qu'on apprenne. Il faut que l'institution, l'organisation apprenne aussi. Ouais, l'organisation, c'est ça. Je suis sûr que l'organisation apprend aussi, parce qu'effectivement, la première fois que ça arrive, bon, bah, basta. Moi, j'ai apprécié dans ma boîte, quand le 18 mars, on a dit on arrête une semaine pour prendre le temps de préparer avant de faire. C'est-à-dire que les gens qui ont dit vendredi, lundi, on sera en cours. Nous, on a dit non, on n'est pas encore lundi, on prend une semaine pour voir comment on fait. Je pense que ça c'était raisonnable. Donc, quand tu dis mon TD, il fallait que je le fasse pour le lendemain, c'est vrai. Mais c'est un truc, en tant qu'enseignant, on a tous envie de faire quoi qu'il arrive le truc. Il y a un moment où il faut pouvoir se dire, je ne sais pas si c'était possible, etc. Je parle dans le vide, mais il y a un moment où il faut être capable de se dire, bon là, stop, on prend le temps et puis on fera la semaine prochaine s'il faut. On va me dire qu'il n'y avait pas de raison pour lequel c'était pas possible. Je suis d'accord, c'est sûrement possible pour les gens qui peuvent reporter les choses. Mais aujourd'hui, nous, si on reporte, on annule, en fait. Il n'y a pas le choix. Je veux dire, il y a trop de contenu pour pouvoir reporter. Et vraiment, je remercie vraiment de force notre service informatique qui a été tellement présent sur le vif, quoi. Ils ne pourront pas le faire tous les jours parce que ça demande trop d'énergie. Je pense qu'effectivement, si on peut le faire, il faut le faire. Si à un moment ça ne marche pas, il faut savoir dire stop. Et comme tu dis, de toute façon, si j'étais au fond de mon lit, ça ne marcherait plus. Et puis après, le truc, effectivement, il faut que l'organisation apprenne en ayant soit un pool. Nous, typiquement, on est riche, donc on a mis on a déjà des PC, des vidéos projecteurs à peu près dans toutes les salles. Et on a mis une barre son dans toutes les salles et on a fait apprendre à nos étudiants à être capables de connecter, même si le prof n'est pas là. Quoi. Donc, on est capable de faire des trucs où et ça m'est arrivé d'avoir une salle, être en présence dans une salle et faire cours en même temps dans une autre salle pour éviter d'avoir trop de monde dans la même salle. Donc, c'est des choses qu'on apprend à faire effectivement au fur et à mesure. Et là, tu as raison, on ne peut pas rester dans l'urgence tout le temps. Il faut que l'institution apprend. Mais j'ai l'impression qu'elle apprend, cette institution. Mmh. On prend la réaction d'Olivier justement là-dessus sur l'informaticien, le service informatique, et puis après on prendra la question de Manfred. Oui, je réponds par rapport à la question de... J'ai perdu là. On t'entend pas, Olivier? Ah, j'ai peur que j'ai plus le son parce que j'entendais plus Yann, donc le Yann s'est coupé. Non, Olivier s'est coupé aussi. Problème. Ce sera mon micro. Il disait qu'il y a... Vous m'entendez, hein, de loin. De loin. Yann, en fait. Le mien ne marche pas. Tends ton bras, Yann. Donc, en fait, je disais, parce qu'on est intervenu sur les informatiques, à la question de la problématique de l'éthique, c'est vrai que les choses, me semble-t-il, s'institutionnalisent, notamment avec la création du collaboratoire. Alors, bien sûr, ça repose aussi sur des personnes qui sont des apprentis, mais voilà, et on commence à investir sur du matériel pour pouvoir réagir à ces situations. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut faire un peu plus d'efforts pour pouvoir répondre à ces situations. C'est vrai, quand tu parlais tout à l'heure d'institutionnalisation, je pense que dans cette démarche, au moins depuis septembre, on est vraiment rentré à l'ISPEC dans cette démarche de stabilisation, de sécurisation de toutes les solutions possibles, dégradées ou non dégradées. Je pense que là, c'est vrai que les services informatiques ont été mis à rude épreuve. Et ils sont là dans les jeudis de la pédagogie, ça c'est bien aussi. Communauté élargie. C'est à noter. Alors, on arrive de temps en temps à faire ça chez nous, mais c'est vrai que c'est pas généralisé, donc c'est très bien. Alors, question de Manfred ensuite. Oui, alors c'est pas tellement une question que je reviens sur, plutôt sur ce qui a été évoqué précédemment. Alors, je sais plus, j'essaie de retrouver le nom de la formatrice.
qui évoquait ça, par rapport à savoir si ce que l'on fait est pertinent vis-à-vis des étudiants ou des personnes qu'on a en face de soi, hein, dans l'animation de visio, indépendamment des étudiants. C'est pas évident, effectivement, de savoir a priori si c'est bon, si ça marche, si c'est percutant, si on a un bon retour. Et je pense pas que les enquêtes de satisfaction suffiront, d'autant qu'elles ont lieu au mieux 6 mois après, au pire, plus tard encore. En revanche, moi j'ai eu une autre expérience, donc juste pour situer par rapport à Jean-Marie, moi je suis directeur de transition et j'ai effectué d'autres transitions dans d'autres centres de formation. Et ils avaient une pratique que j'ai trouvée bonne, qui était intéressante, qui était régulièrement d'avoir un collègue qui assistait au cours, à son cours, et qui après le cours faisait un débriefing avec vous pour vous dire comment il vous avait perçu dans votre animation, dans votre positionnement. Parce que lui, se mettant en fond de salle, et ça peut être du coup en visio, ça peut être la même chose, on peut se mettre en visio de la même manière, on a une perception de la prestation de son collègue et on peut, alors évidemment sur la base de la bienveillance, c'est le prérequis évident, mais je préfère le redire, faire un retour vraiment constructif pour dire, ben voilà, j'ai trouvé qu'à tel moment les étudiants ont décroché ou j'ai vu dans le chat que ça discutait ou etc. Ou à ce moment-là c'était trop long. Enfin, il y a plein de retours qu'on peut faire et qui peuvent permettre d'avoir un retour objectif, pour le coup, distancié, si j'ose dire, et de nature à nous aider à améliorer la qualité de cette prestation, parce que ce n'est pas facile de pédaler et de se regarder pédaler. Mmh. Surtout que, oui, à se regarder pédaler, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on essaie aussi de développer auprès de nos étudiants, d'avoir cette analyse réflexive sur ce qu'on fait, et c'est très inégalement... partagé par les gens. Ce que tu dis, ouais, c'est super. Quand ça marche, c'est super. Mais ça marche pas partout. C'est-à-dire que c'est un truc. Faut qu'il y ait de la bienveillance, faut qu'il y ait une acceptation, faut que tu reconnaisses, tu aies un travail de, ben, voilà, que la reconnaissance entre les pairs soit suffisante et que ça puisse fonctionner. Oui, je suis d'accord. Pour avoir vu ça dans certains endroits, les gens étaient super contents. Il y avait des moments où ça se faisait, j'ai vu ça dans certains contextes, où ça se faisait pour les gens qui disaient « Ah ben moi j'en ai besoin », et puis il y avait quelqu'un de dédié, l'équivalent d'un conseiller pédagogique, ça marchait bien, parce que le gars était effectivement dans cette logique-là. Mais, ouais. Alors, nous, c'était sur la base du volontariat, hein. C'était pas imposé, c'était vraiment proposé. Et voilà. Après, une fois par an, dans le cadre des entretiens, pour la préparation des entretiens annuels, le coordinateur d'équipe le faisait systématiquement avec tous les membres de l'équipe pour aussi pouvoir évaluer leurs compétences d'animation et leur faire un retour. Toujours pareil, dans le même esprit de bienveillance, mais encore une fois, ça c'est vraiment un prérequis. De toute façon, si on n'est pas dans la bienveillance, ça peut pas fonctionner, parce que l'autre, c'est comme l'inspecteur d'académie qui déboule et qui a fini, c'est de vous flinguer, ou du moins c'est ce que vous pensez, et forcément vous êtes tétanisé et ça marche pas. Voilà, et c'est comme d'hab, ça s'outille, ça savoir que effectivement, ça se forme et ça s'outille, donc ça veut dire que tu es au clair sur les objectifs, sur ce que tu, sur le type de choses que tu vas aller observer et sur les choses que tu vas retourner, quoi. Et sur le comment, et sur comment le dire, effectivement. Mais ouais, c'est, quand on peut faire ça, c'est super. Les gens ont l'air d'aimer. mais c'est compliqué. Mais ça a un coût aussi. Et puis, il y a aussi toujours cette question-là. Il y a eu, un projet comme ça, Désir, au niveau de l'université, qui s'appelait Fenêtre sur cours et qui permettait à des enseignants de s'inscrire sur un site pour dire « j'ouvre mon cours et je vais pouvoir échanger avec des collègues qui ont envie de venir voir, pas forcément que comme je fais, mais qui me permettent de décaler le regard, prendre de la distance par rapport à ma pratique pédagogique. » Ça, c'était inclus dans un dispositif qui était l'intégration des jeunes enseignants-chercheurs, des jeunes maîtres de conf à l'université, ça marchait pas mal. Alors, je vais ressortir un truc sur les MOOC, parce que j'aime bien les MOOC pour des raisons qu'on expliquera un autre jour. Mais on s'était aperçu dans certains MOOC qu'il y avait même pas des MOOC de... Il y a des MOOC sur comment enseigner, etc. Donc là, c'est plein d'enseignants, c'est normal. Mais même sur des MOOC
pas d'enseignants, on s'aperçoit qu'il y avait parfois jusqu'à 10, plus de 10% d'enseignants qui venaient là. Pour justement venir voir comment, quelle didactique était utilisée, qu'on va récupérer des exercices, voir comment le concept était présenté. Donc, quand tu dis je suis en phase de regarder comment l'autre fait, en fait, les deux apprennent. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est que tu as la personne à qui tu vas faire un retour en disant bah, tiens, tu as fait ça, tu n'as pas vu tel truc, ça m'aurait paru important et ça aurait pu changer des choses. Et inversement, toi, quand tu vas voir le truc, tu vas dire ah tiens, il a fait ça, j'aurais jamais pensé à utiliser deux écrans dans ma salle, même quand j'étais pas là, et pourtant ça marche. et donc, en fait, ça marche dans les deux sens. Ok. Bon, bah, ça a été très actif en termes de réaction, d'échange et de questions. Est-ce qu'il y aurait des dernières questions ou des dernières thématiques? Parce que là, on va s'approcher de la fin du webinaire. Tout le monde a eu le temps de poser ses questions ou de réagir par rapport aux thématiques? Ok. Bon. Bon, on va clôturer ici le webinaire. Je voulais te remercier beaucoup, Jean-Marie, quand même, de cette présence et de ces échanges avec tous les collègues. Avec plaisir. On a rassuré beaucoup, enfin plus d'un, autour de la posture, de l'enseignement, puis peut-être de l'évolution de notre métier d'enseignant, qu'il soit formateur, enseignant-chercheur. Et je pense qu'on a vraiment quelque chose à aller chercher et trouver de l'enrichissement dans cette période un peu trouble. Absolument. Et pour retrouver nos des points de stabilité pour pouvoir avancer. Quoi. C'est comme ça. Les valeurs de l'éducation qui auraient peut-être été un peu perdues au fil du temps dans l'enseignement supérieur par la massification. Et... Ok. Mais okay. Écoute, c'était merci. Avec plaisir. C'était très intéressant. J'ai aussi appris des choses. Donc c'est très bien. Merci à toutes et à tous. Merci. Bonne journée à tous.